Je me suis fait arnaquer, j'ai reçu tous mes colis, enfin presque. Ce début d'année est absolument mémorable pour ma part. Vos commentaires m'ont fait très plaisir. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi vous introduire le sponsor de cette vidéo. Vidéo en partenariat avec La Gastro. Bon voilà les amis, juste pour remettre les choses dans son contexte, aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous parler à la toute fin d'une arnaque. Une arnaque qui est absolument dans ce papier. Avant ça, ce qu'on va faire, de l'unboxing de tout ce que j'ai pour le montage de mon PC. Je vais en profiter pour répondre à certains de vos commentaires. Mais d'abord, la gastro, ça va beaucoup mieux les amis. Il faut savoir qu'en fait, ça vient du nouvel an. Alors je n'ai pas le Covid, je vous rassure. Et donc là, comme dit aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. On est le samedi 7 janvier. Et là je vous fais cette vidéo, voilà, je suis content parce qu'il y a 3 jours je ne pouvais pas, j'étais au fin fond. Par contre j'ai lu tous vos commentaires, ça m'a fait du bien et ça m'a fait très plaisir, donc je vous en remercie beaucoup. Bah, tout bêtement j'ai attrapé la gastro j'imagine pendant le nouvel an hein, tout simplement. Ensuite, le mardi 3 janvier, on a fait de la moto avec le poteau Guillaume. Je vous mets quelques petits extraits maintenant si ça vous intéresse. C'est Guillaume. Et l'autre pignouf sur l'autre moto, c'est moi. Mais tu m'attends pas en fait, toi. Oh putain mec, oh la photo à faire. Mec, on a une photo de mal à la faire là. On a roulé, on a passé une belle petite journée tranquillement. C'était la première balade de l'année, c'était vraiment super cool. Le problème, c'est que durant cette journée, j'avais la diarrhée. Comment ça mon ref? Je me suis pas trop posé de questions quoi. Donc après voilà, le lendemain j'étais en PLS. Donc bon bref, voilà un petit peu, c'était la petite parenthèse gastro. Vous avez été nombreux à me le dire, vous avez raison. Je sais pas pourquoi j'ai dit 3080, mauvais réflexe, mais c'était bel et bien une 3070 à laquelle je pensais. Et d'ailleurs, je vais vous annoncer quelque chose maintenant. On a fait un setup en fait qui va être full blanc. Donc là vous voyez la carte graphique, elle est blanche, elle est magnifique. Et on l'a eu pour pas beaucoup cher d'ailleurs. Et ça c'est cool, on l'a commandé sur Amazon celle-là, si ça vous intéresse, je mettrai un lien affilié en description. Voilà, hop, le water cooling, et oui, puisqu'il va y avoir un water cooling qui va être blanc, le boîtier il est blanc, il est magnifique, c'est un O11R mini. Il est très très lourd, donc je vais pas le sortir pour rien, je vais le laisser, je vais pas l'abîmer, mais pour vous donner une idée, il est tout blanc. Il aura un côté qui s'ouvre, un autre côté qui s'ouvre, sans aucun problème. C'est un cube. Bref, comme dit le nom, hop, O11R Mini. J'aurais dû partir là-dessus de toute façon dès le début, ça c'est clair. Mais voilà, lui au moins, je vais pouvoir y toucher comme je veux, quoi. J'ouvre et j'ai accès à tout. Pas comme avec le K500L, où il faut tout démonter. Bon, du coup, ça c'est les... Je vous rappelle qu'il y a deux trucs en symétrie actuellement, d'accord? Il y a le montage du tout nouveau PC, donc avec toutes les pièces que je vous présente aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a mon ancien PC, ou entre guillemets mon PC encore actuel. On va pas tergiverser longtemps. Ça fait beaucoup tout ça, ça fait beaucoup. Donc, voilà. Pour répondre à vos commentaires, oui, c'est ce que j'avais prévu de faire. C'est donc un PC gaming et un PC stream, hein, vous l'avez bien compris. Donc, c'est certainement chiant pour toi, mais j'avoue que ces petits vlogs de problèmes de PC, je les apprécie bien. Bande de films, merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. Je voulais faire une mention spéciale à Lightbid, qui, lui, son alimentation a explosé dans son PC. C'est... voilà. Comme quoi... les étoiles ne sont pas alignées pour nous. On se retrouve très vite pour le montage du PC ou pour une autre vidéo entre deux, mais je vois pas quoi. Il peut m'arriver des couilles, toi-même tu sais. Donc voilà. En tout cas, les gars, j'espère que votre début d'année se passe mieux que le mien. J'espère qu'il se passe bien. J'espère que vous n'avez pas la gastro. Moi, c'est bon, hein, d'ailleurs. Je vais très bien. D'ailleurs, je vous contamine pas, vous avez vu. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. Le petit commentaire qui fait plaisir, je vous lis avec sourire. Et à la prochaine, les gars. Ciao tout le monde.